Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est Sims. Et cette fois-ci, je suis accompagnée d'Eric de jesuisungamer.com. Hello, c'est bien moi. On se retrouve avec une vidéo qui est, donc pour ceux qui ne savent pas, en gros on a fait chacun de notre côté des Sims et on va devoir deviner ces Sims, donc j'espère que vous êtes prêts, j'espère que tu es prêt à voir mes Sims dégueulasses. Ah bah tu sais, franchement les miens sont pas, certainement pas mieux que les tiens. On va voir, vous direz en commentaire lesquels sont les pires. Ouais, faites ça. Il y a du dossier. Hein. Du coup, tu veux commencer ou je commence? Honneur aux dames, bien sûr. Oh putain, ok. Allez, bon courage. Hein, du coup, ouais, je vais commencer avec ta vidéo. Alors, un mec, est-ce que c'est quelqu'un de réel? C'est quelqu'un de réel, oui. Ok, c'est un acteur? Non. Non. Ce n'est pas un acteur. Ce n'est pas un chanteur à ce que je sache. Un présentateur? Non plus. Ok, youtubeur? Non plus. Putain, mais c'est... Oh, tu vas trouver, hein. Attends, quand il y a le détail qui va arriver, tu vas trouver, c'est obligé. Un mec aux cheveux longs comme ça, c'est, je sais pas, c'est un candidat, c'est... d'une télé ou je sais pas. Ouais. Oh, c'est pas Maxime? Ah si. Ah, t'as trouvé trop vite, quoi. Et il a été éliminé hier. Il a été éliminé. Oui. Franchement, j'étais déçu moi, parce que je les aimais pas trop, mais je trouve qu'à la longue ils sont devenus plus humbles et ouais, plus intéressants. Ouais, t'as vu comment quoi. Ils ont donné la victoire aux deux mecs. Ouais, franchement c'est génial. Hein. Bon ben j'ai un point. Allez, t'as déjà Allez, un point. Allez, c'est à toi c'est maintenant. À mon tour alors. Avec les Sims. Let's go. Alors, ça a l'air d'être une femme déjà. Oui. Elle est blonde. Oui. Ok, c'est un personnage fictif? Oui, on peut dire ça. Enfin, oui. D'accord, et non. Donc c'est pas une personne réelle alors qui est... Bah si, si. Donc c'est une actrice? Oui, c'est une actrice. C'est une actrice blonde qui porte une robe à ce que je vois, une robe très étrange d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? C'était pas facile de trouver une tenue pour qui lui convient. Ah mais c'est la meuf dans Game of Thrones. Oui, c'est ça. Daenerys. Ouais, c'est ça. Ah, oh, ok, j'ai trouvé vite. En plus, tu bah oui. Ok, bon, mais c'est cool, ça fait 1-1. Ouais, mais pour trouver une tenue, ouais, j'avais pas. Ouais, j'avais pas mais grand non, chose. Mais j'ai tout de suite compris que c'était un univers un peu médiéval et tout ça, quoi. Bon, bah tant c'est mieux. Cool. Ok. Alors, tu as changé, donc c'est une femme, ok. Du coup, est-ce que c'est quelqu'un de réel? Non. Non, d'accord. Du coup, donc c'est pas quelqu'un de réel, c'est quelqu'un d'un dessin animé? Non plus. Non, donc pas manga non plus. Dans un film? Non. Dans une série non plus? Si, dans une série, oui. Ah, d'accord. Dans une série, est-ce que c'est une série américaine? Ouais. D'accord. Est-ce que c'est une série récente? Oui, plutôt oui. Alors elle date, sa tête elle avec date ses... d'après 2015 quoi, enfin ouais. Ouais, peut-être pas en fait. Ouais. Ah bah là t'as changé. Est-ce ouais. que sa tête... Ah bah elle est blonde, donc non c'est pas du tout ah, ce oui, à elle qui est je blonde. Pensais. bah rousse maintenant, blonde encore. je cherche le blond parfait. Mais c'est une ado? Non c'est une adulte. Oui c'est une ado ouais, c'est une ado. Ah c'est une ado, ok. Est-ce que c'est dans 13 Reasons Why? Non. Non. Est-ce que c'est une série pour ados? Ou moyen? Pas forcément. Ouais. Est-ce que c'est une série fantastique? Ce n'est pas une série fantastique. Mais, il y a des petits éléments fantastiques dedans. D'accord. Alors là... C'est un personnage secondaire. Ouais. Américaine, pas trop fantastique. Franchement, je vois pas du tout. Hein. Tu vois pas? Non.
C'est une série que tu suis, mais que t'aimes bien. Bah, je me doute, ouais. Est-ce que c'est dans Bates Motel, non? Oui, c'est dans Bates Motel. Une blonde comme ça? Ouais. À part la mère, en fait. Ah si, mais il y en a une. Mais bon, il y en a une autre à part... Ah oui, oui. Ah ouais, donc c'est vraiment un personnage secondaire. Ah mais oui, mais c'est celle qui veut se taper, là, qui se barre après. Oui, c'est ça. Par contre, je sais pas du tout son prénom. C'est Bradley, elle s'appelle. Ah oui, c'est vrai. C'est Bradley. Ah putain. À la fin, je sais pas où t'en es, mais je suis plutôt satisfait de la petite Bradley que j'ai créée. Enfin, après, le visage est assez ouais, aléatoire, mais... Ouais, plutôt... non, mais j'étais surtout très loin, en fait. Donc, du coup, j'ai pas... Ouais, c'était pas facile, j'avoue. En tout cas, très bonne série. Hein. Après, ça fait un moment que je l'ai fini aussi, donc... Ouais, elle est vraiment géniale. Alors, c'est un homme, hein, forcément. Ouais. Il a des petits yeux. Bah, attends, c'est pas... c'est Maxime aussi. Oui, c'est lui. On a eu la même idée. Ah, dis-moi, bah, tu l'as vu. Ah, tu l'as vachement bien fait. Bah, après, les cheveux, j'avais pas tout à fait sa coiffure, la couleur, je savais pas trop. Ouais. Ah bah comme quoi on l'aime bien le Maxime. Ah bah là, il nous a marqué là. Oh mais ça va baby, qu'est-ce que tu veux faire baby? Ah non, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux partir? Tu veux partir? Je veux prendre une douche. Baby, je veux dormir dans une tente. Alors, c'est un mec. Est-ce qu'il est réel? Non. Encore, non. Est-ce que c'est un personnage d'une série? Oui, c'est le personnage d'une série, oui. Ok, il est roux. Ah oui, pour être roux, il est roux, quoi. D'accord, est-ce que c'est dans Walking Dead? Oui. Oh putain, comment il s'appelle? Le roux qui est décédé. Je sais même plus comment il s'appelle, moi. Ouais. Abraham, je crois. Ah oui, c'est ça. Oui, bien joué, bien joué. Ah, mais il est mort, le pauvre. Ouais, ouais. Non, bah je spoil, là, mais voilà. Ouais. Est-ce que tu regardes encore The Walking Dead, toi? Alors, franchement, pour être honnête, avant j'aimais beaucoup. Je regarde encore, mais je m'ennuie vraiment beaucoup. Ouais, ouais. C'est tout le temps pareil, en fait. Je comprends. Ça avance pas. Moi, je me suis arrêté à la saison 4 ou 5, quand Rick et sa bande et le Kingdom et les gens de la décharge avec la femme trop stylée là, avec les cheveux courts et son long manteau, se battre contre Negan. Je me suis arrêté là en fait. D'accord. Mais après c'est vrai que franchement t'as rien raté. C'est long à se mettre en place quoi. Oh quel bel homme. Ah oui, tu vas voir, il va être magnifique. Magnifique. C'est un garçon? Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais engloutir toute ta famille dans mon vagin. Bon courage. C'est Naruto? Non. Il a des yeux comme ça? Oui. C'est dans un dessin animé? Non. Non? Ok. Enfin, peut-être qu'il y a un dessin animé là-dessus, je sais pas. Mais... Regarde bien les détails. Donc il porte des gants? Il porte des gants. Pourquoi il porterait des gants? C'est un musicien? Non. C'est un adolescent en tout cas. Ouais, je pense. Et il a pas de jambes normalement. Voilà. Il a pas de jambes? Non. D'accord. Ah bah ça doit être Mario? Non. C'est Rayman? Oui. C'est pas mal, franchement. Ah, c'était pas facile de faire Rayman en 6. Ah bah, c'était super dur, hein. Franchement, j'ai galéré. Putain, bien joué. Bien joué. C'était trop dur. J'ai reconnu à la coupe, en fait. Ah ouais, bah... Étant donné que t'as mis des gants, je me suis dit, ouais, c'est ça. Mais ouais, il a pas de jambes, il a vraiment une tête bizarre, quoi. C'était vraiment dur. Ah bah oui, je comprends, c'est clair. C'est clair. Bon, le principal, 3-3, c'est que t'es trouvé, ouais. Ouais, 3-3, c'est bon. Du coup, vous nous direz dans les commentaires si vous aviez trouvé les Sims, si on avait réussi ou pas. Exact, ouais. Et du coup, je vais te laisser présenter ta chaîne.
Mesdames et messieurs, la fiesta peut commencer. Vive le cancer de la prostate. Cher Rihanna, sachez que c'est un vrai honneur pour nous de vous avoir ici. Le cancer de la prostate est une maladie grave et grâce à votre influence, peut-être que nous pourrons trouver un remède. Pas de problème. Mais mon français est très mauvais. Qu'est-ce que c'est, prostate? De nos jours, le taux de survie du cancer prostatique atteint 80%. Un an après le diagnostic Rihanna, de la tumeur prostatique, elle est là. Il dépasse 65% 5 ans après le diagnostic. Eh, hey, monsieur, je veux un rhum, s'il vous plaît. Un rhum de l'île Maurice. Un rhum ambré. D'accord? Un rhum doré au soleil, s'il vous plaît. Oh, il en met du temps. J'ai soif, moi. J'espère que son rhum est aussi bon que le rhum Utsukushi. Tenez, monsieur le rabat-joie. Salut, jolie plante. Tu me rappelles vaguement quelqu'un. En tout cas, je sais pas ce qu'ils ont mis dans ce rhum. Tiens, toi! Tu ne peux pas décider de me tourner. C'est moi, la star, pas toi. Rihanna, c'est fou comme tu es drôle, mais je suis ton agent. J'ai donc mon mot à dire dans l'histoire. Et moi, je peux te licencier quand j'ai envie. Hello, my sweeties. This is me, Rihanna, your favorite pop star. J'espère que vous allez bien. J'ai très chaud, je pense que vous aussi, canicule, c'est ça qu'on dit en français. Alors je prends un bain un peu chaud, mais ça fait du bien à mon corps, very hot. Oui, mes parties génitales sont floutées car, vous savez, toutes les célébrités doivent préserver leur intimité. Tout ça pour vous dire qu'Eric organise un FAQ. Q? Je crois que c'est comme ça qu'on dit. En français, alors posez-lui toutes vos questions. Q, j'adore cette lettre de l'alphabet. Q, I'm so horny. J'ai très très chaud.